crédit photo, Joe. Un disque humaniste et fédérateur, à l'image de son tempérament, sur lequel l'artiste s'autorise pour la première fois peut-être à parler de l'intime. Je n'ai jamais voulu chanter l'amour, mais cette fois, je me suis dit, on va oser. C'est un album qui se veut riche en émotions, en danse, en fête, en tout. Décryptait l'accordéoniste au micro de Purchard dans les coulisses du tournage de son clip Si j'avais su, expliquant avoir renoué pour ce projet avec d'anciens collaborateurs, on a pris beaucoup de plaisir à le faire en Alsace, entre nous. On a voulu reprendre les bases et revenir aux origines de tout ce qui a créé KPO et permis ses rencontres avec le public. Le player Dailymotion est en train de se charger. Le player Dailymotion est en train de se charger. Var configuration égale new object. Configuration.video égale x8 en 5QZ. Configuration.param égale new object. Configuration.param.aspect ratio égale 16. 9. Configuration.param.mute égale true.virgule Configuration.param.enabledLogo égale false.virgule Dailymotion.createPlayerMyDailymotionPlayer Configuration, ensemble, on sera mieux entré 3e des ventes derrière Mylène Farmer et Niska en novembre 2022. Le nouvel album de Claudio Capeo a connu une belle longévité dans les classements grâce à plusieurs singles à succès dans Chez Toi, son duo avec Slimane. Si bien qu'à l'heure de souffler sa première bougie, Rose des ventes affiche 117,000 ventes au compteur et une belle certification de platine. Pour prolonger ce succès, les KPOs viennent de divulguer une version de luxe comprenant 6 versions acoustiques et les 10 radios du nouveau single de la bande, Les Petites Gens. C'est un titre que j'ai commencé à composer et écrire il y a 6 ans. Je n'ai jamais voulu le sortir parce que je le trouvais un peu trop dur. Je parle des gens, je parle de mes parents, je parle de cette vie qui n'est pas évidente, les lèvent tôt et les couchent tard, qui ont toujours des galères mais portent des valeurs, portent le monde et le sourire. Ensemble, on sera mieux confie sur Radio Scoop le chanteur de 38 ans, qui célèbre justement le vivre ensemble dans le clip fraternel du single Les Petites Gens. Immortalisé sur les routes. Puis octobre, Claudio Capeo et son groupe se sont élancés dans une nouvelle tournée qui sillonnera les quatre coins de la France au moins jusqu'à l'été 2024 et la saison des festivals. C'est une bande de copains qui viennent, qui ne se prennent pas la tête et qui ont envie de raconter des histoires, promet le futur coach de The Voice Kids.